Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. Alors, bonjour les oufs et bienvenue sur ma chaîne Tuto Ouf. Pour cette vidéo, je vais vous montrer comment avoir les épaulettes plus la ceinture de la combinaison course automobile, la bouteille d'air de la tenue pompier avec le masque, la ceinture de la tenue équipement groupe sèche et en dernier, le gilet orange de la tenue tuning à Los Santos. Tout d'abord, tu dois te rendre dans une boutique de vêtements. Une fois arrivé, tu vas te diriger vers les hauts. Tu vas dans la catégorie gilet de braquage. C'est la 59 sur 60. Et tu achètes le gilet tactique pêche. Quand c'est fait, tu vas te diriger vers la caisse pour sauvegarder la tenue à la dernière emplacement. Une fois que c'est fait, tu vas dans la catégorie combinaison de braquage. Tu mets une des combinaisons avec le masque à gaz. Une fois que c'est fait, tu vas te diriger vers la longue vue qui se trouve à la plage. Et une fois arrivé, tu vas courir vers la longue vue et appuyer flèche de droite. Ensuite, tu vas appuyer longtemps sur le pavé tactile jusqu'à ce que tu vois le menu interaction. Tu vas aller dans style et tu mets la tenue que tu as sauvegardée. Si tu as réussi la manipulation, tu es supposé d'avoir le masque à gaz comme moi dans la vidéo. Tout de suite après, tu vas te rendre à la boutique de masques qui est juste à côté pour sauvegarder la tenue à la dernière emplacement encore une fois. Une fois sauvegardé, tu vas faire option en ligne, activité, jouer activité, créé par Rockstar. Mission, un travail de titan. Une fois dans la mission, tu n'auras plus le gilet de braquage, ce qui est normal. Tu vas te diriger vers la boutique d'armes le plus proche. Et une fois arrivé, tu vas te diriger vers les vêtements pour sauvegarder la tenue à la dernière emplacement encore. Quand c'est fait, tu vas quitter la mission à partir de ton téléphone. Une fois retourné en mode libre, tu vas retourner dans le magasin d'armes. Tu vas aller dans la catégorie tenue course automobile. C'est la 35 sur 55. Tu achètes la tenue combinaison de course que tu veux. Comme tu peux le voir, il y en a plusieurs. Une fois que tu as acheté la tenue, tu fais option en ligne, activité, jouer activité, favori, mission, le point G. Dans la rangée paramètres, vêtements, tu vas mettre tenue du joueur. Quand c'est fait, tu confirmes les paramètres. Pour lancer la mission, tu vas devoir inviter un ami ou un autre joueur.
une fois que ton ami aura rejoint, tu lances l'activité. Avant de faire prêt à jouer, tu fais flèche de gauche une fois, puis tu fais prêt. Une fois dans la mission, tu fais option en ligne, éditeur d'activité, tu confirmes. Une fois en mode éditeur, tu fais option en ligne, jouer à GTA Online et tu lances une session sur invitation. Une fois que tu arrives dans la session sur invitation, tu vas devoir voler la voiture d'un PNJ. Puis, quand ça va être fait, tu vas te diriger vers la boutique de vêtements le plus proche. Une fois devant la boutique de vêtements, tu vas aller dans le menu Interaction, tu vas t'inscrire en PDG. Quand c'est fait, tu vas retourner dans le menu Interaction, tu vas dans SecureServe, Gérer l'organisation, Style, tu fais flèche de droite une fois, flèche de gauche une fois et tu descends du véhicule. Et normalement, tu es supposé d'avoir les épaulettes plus la ceinture de la combinaison de course automobile. Tu vas te diriger vers la caisse pour sauvegarder la tenue à n'importe quel emplacement sauf celui en dernier. Toujours à la caisse, tu vas dans la catégorie tenue braquage du casino. C'est la 49 sur 55. Tu cherches équipement de pompier, c'est la 22 sur 22. Tu mets la tenue l'intrépide. Ensuite, tu retournes à l'intérieur de la voiture. Une fois à l'intérieur de la voiture, tu refais la manipulation. Tu vas dans SecureServ, gérer l'organisation, style, flèche de droite une fois, flèche de gauche une fois, tu descends du véhicule et tu auras la bouteille d'air avec le masque. Pour la sauvegarder, tu retournes encore à la caisse. Quand c'est fait, tu vas dans la catégorie équipement groupe sèche. Choisis la tenue avec la ceinture que tu veux. Pour moi, ça va être le protecteur. Ensuite, tu retournes encore à l'intérieur de la voiture. Tu vas dans le menu Interaction, SecureServe. Tu fais gérer l'organisation, style. Tu fais flèche de droite une fois, flèche de gauche une fois et tu descends du véhicule et tu verras que tu auras la ceinture de la tenue que tu as choisie. Et pour finir, notre dernière tenue, tu vas dans la catégorie Tuning à Los Santos, c'est la 51 sur 55. Tu choisis une des tenues avec le gilet orange. Ensuite, tu retournes à l'intérieur de la voiture. Et en passant, juste vous dire que ça fonctionne aussi avec le gilet vert, le gilet des boueurs. Tu vas dans SecureServ, gérer l'organisation, style, flèche de droite, flèche de gauche. Tu descends du véhicule. C'était Tuto Ouf. J'espère que tu as aimé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner et activer la cloche. Plus de fou. Et je te dis à plus.